Alors, on va dire bonne partie. Et on va jouer. Ça, c'est pratique au GS, on a un peu plus de temps en cas où. Si on est AFK 2 secondes. Donc on a 20 minutes chacun, plus 5 fois 30 secondes. Notre adversaire est premier Q. Et il nous dit bonne partie, c'est chouette. Vous, c'est bien? Ouais. C'est plus sobre qu'avant, c'est mieux, je trouve. On va jouer double Komoku. Et lui joue double Chi, ok. Bon, on va dire. Très bien, on va prendre un premier Shimari. Hop. Et il joue comme ça, très bien. Je vais juste lever un tout petit peu la cam. Attendez, hop. Et très légèrement. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, ma tête, elle est presque. On voit presque pas le sommet. Hop. Ouais, j'ai presque trop levé même. Bon, bref, c'est pas grave. Il vient comme ça, on va prendre le coin. Hop. Il va défendre. Et on va venir là. Et ici, je sais que quand c'est un Shimari plus grand, ils aiment bien venir en Q16. Mais là, je sais pas si c'est aussi bon. Je sais pas. En tout cas, il prend l'extension naturelle. On a un premier coin, on a un deuxième coin. S'il rajoute un coup vers 13, ça a l'air pas mal pour son développement. Je sais pas si c'est le coup le plus gros et ça menace pas non plus le coin. Et moi, si je viens ici, il peut tout à fait Tenuki. Parce que il est pas censé avoir peur que je glisse en S10. Il a joué sur la quatrième ligne, donc c'est pour jouer plus l'influence. Si je joue ici, d'ailleurs, même il peut même prendre par exemple O12. Continuer à développer sur l'extérieur. Non, ce que j'ai envie de faire là, c'est. Développer vers mes pierres. Ça peut être intéressant. Développe ici, on s'approche de son coin. Il défend, on vient là. Est-ce que la musique est peut-être un tout petit peu trop forte? Tac. Et moi aussi. Hop là. Atari, on répond. Il protège, protège. Pour l'instant, je suis obligé, hein, tous les coups que j'ai. Il fait ça et là je peux choisir de prendre le coin si je veux. Il prendrait de la force sur l'extérieur, cela dit. Il en a déjà. Je suis plat ici. Je suis plat là. Si je prends le coin, c'est sympa, hein. Il descend. Je descends. Il vient ici ou là, peu importe. Tac, tac, je capture. Je peux mettre Atari, ce qui est très gros, cet Atari. Et ouais, il rayonne assez, hein. Après, ça me fait pas mal de cash et moi j'aime bien le cash. Allez, on va faire pour changer. Faudra assumer hein, l'influence qu'il possède avec ça. Salut Foc, comment tu vas? Donc ça, c'est logique. Là, il fait B15 ou C15. Ouais, ça va bien, merci. Ça va bien. Je sais plus s'il faut que je pousse une fois ou s'il faut que je prenne tout de suite. Je sais que si je prends tout de suite, il a l'angle vide. Et si je pousse, bah, il vient ici et je recule, je prends. Je sais plus ce qui est mieux. Parce que certes, il fait un angle vide, mais il aura un espace de plus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Si je pousse là, bon, il a 5 aussi. Ouais non, parce que si je vais là, qu'il vient ici et que je vais là, bah il peut jouer ailleurs. La différence c'est que quand je viendrai par ici, à tout moment, il pourra faire l'Atari et empêcher une possible connexion. Alors que si je viens là, il vient ici, je capture, et au moins les pierres sont capturées, il n'y a plus d'Adji. Je pense que c'est mieux de prendre. Franchement, je sais pas. Alors, c'est très gros. C'est gros, hein, c'est un Ponuki. Ouais, je vais peut-être protéger. Il reste un point de coupe. Donc il va peut-être répondre. La coupe est assez grosse. Salut Valois. Est-ce qu'un de vous deux est capable de me dire, je sais plus en fait moi-même, hein, si c'était mieux pour Renoir effectivement de descendre tout de suite en B18 ou d'aller en B15 d'abord? Je l'ai su, je suis tentant, mais là j'ai oublié.
Et il prend cette grande extension. Ok. Ok. Bon, je vais approcher par ici. Je ne vais pas prendre le coin, il a déjà beaucoup de force sur l'extérieur. Pas vraiment envie de refaire la même qu'en haut à gauche. Blanc et CNT, B15 et pas C15, il me semble non. Ah oui, ça oui déjà, oui, je crois que blanc doit faire ce B15. Mais c'est la question, c'était si blanc fait C15 à noir, c'est mieux de faire B15 ou d'aller en B18 comme j'ai fait? Censé pas santé. Oui, j'ai mal lu. Ici, je sais pas si j'ai envie d'avoir un truc un peu pareil, d'avoir même si il me donnerait le coin. Ah, ça m'étonnerait qu'il donne le coin là. Parce que sinon, je fais D9 aussi, ça peut être sympa pour l'influence un peu. Mais en vérité, je pense pas qu'il me donne le coin. 4 coins, c'est quand même assez agréable. Il reste un point de coupe ici. Ok. Enfin, c'est moi qui vais prendre le coin en fait, je vais plutôt reculer ici. Il me semble que tu as raison de jouer comme tu l'as fait. Ok. On regardera ça avec soit Insensei, soit Catherine. Tiens, je vais préparer Catherine sur le côté. Ouf. Et aussi ça. BSGF. Hop. Oups, pardon. Je crois que ça s'est affiché devant vous. On va mettre ça de côté. Tac. Et là, tu as pris le coin d'abord en haut. Comment ça? Salut Caroxys. Comment ça, j'ai pris le coin d'abord en haut? Et il vient comme ça, ok. Il investit sur ce bord nord. En même temps, avec ce coup, il protège un peu de la coupe. Mais... comment on défend un peu ce coin? Parce que là, il y a des faiblesses dans ce coin. J'ai envie de prendre la force sur l'extérieur, quitte à concéder du bon yossé peut-être pour lui, j'ai déjà 3 coins. Enfin, potentiellement avec le D3. Prendre la force, ça peut être pas mal. De toute façon, il y aura assez difficilement construit. Ils peuvent difficilement faire beaucoup de points sur le bord nord. Donc c'est pas grave si je l'écrase un peu ici. Par exemple, s'il recule et que je recule. Ou même ça. Je recule, là je prends un peu de force sur l'extérieur. Et clairement, pour l'instant, c'est lui qui a la force. Ok, tac, tac. Si je viens là, il coupe. Je capture, on peut faire Atari, je reviens là, il vient ici, je bloque. Il peut pas faire ça parce que je peux capturer. Donc il est obligé de reculer d'un côté ou de l'autre. Je trouve que c'est bizarre que blanc ait G17. Ouais, il a fait Atari directement. Après mon B18, il a fait directement Atari. Et j'ai répondu parce que je voulais pas laisser de Ponuki. Donc oui, j'ai pris le coin, oui, ok, je comprends ta question, désolé. Ouais, j'ai pris le coin, j'ai au lieu d'aller en G17, j'ai fait... au lieu d'avoir fait, par exemple, C7, j'ai fait l'Atari en D3. Pour changer un peu, tout simplement. J'aime bien les points purs. C'est plus facile de réduire, je trouve. Tac, 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 tac. S'il force, je vais là. Il est obligé de protéger. S'il protège comme ça, par exemple, je peux revenir là. S'il vient là, tac, Atari, tac, il revient ici. Sauf qu'on pourrait Atari et prendre. Ouais, ça a l'air intéressant de faire ça. Faut que je fasse gaffe en même temps. Il a 6-5 de commis, ok. N'hésitez pas à me dire hein, si la musique vous pète les oreilles. Je pensais que j'ai pas mis Glatt. Oh bah, je l'ai même pas mis du tout ici. Ok, tant pis. Truc pour montrer les séquences. Ok, il me semblait que C16 c'était du Yossé. Ouais, c'est du gros Yossé normalement, mais ouais, clairement, ouais. Non, mais t'as raison, de toute façon, hein, oui. Ou à jouer si le groupe est en danger. Donc prendre l'extérieur est plus important pour moi. Mais peut-être que j'ai tort. Non, je pense que t'as raison.
Comme je dis, hein, c'était pour changer, pour avoir des situations différentes. Mais oui, clairement, je pense que tu as raison. Hein, si c'est le Joss qui est le plus classique. Ça, on va regarder tout ça sur Catherine après. Ouais, si, c'est quand même intéressant de prendre. Je la tiens avec n'importe comment, Matos. Ben, ça ne coûte rien de protéger, il reste des faiblesses. Rien que M18, s'il protège, on peut monter. S'il protège, on peut. Bon, pas tout de suite, hein, bien sûr, mais. Le bord nord, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Et surtout, on a protégé notre coin, tout en ne se faisant pas enfermer. Et c'est ça qui est important, je trouve. Après, je vais pas trop rester, j'ai la piscine qui m'appelle. Ah, je comprends, j'y vais demain matin, moi. Bonnes vacances, du coup. Les forts ici. Clairement, hein, c'est là où ils se développent pas mal. Je sais pas si je dois faire simplement année, peut-être. Je fais trop souvent ce genre de coup, mais peut-être que année, c'est très bien aussi. Après, il peut peut-être couper direct comme une brute. Je sais pas. Ou sinon, un coup par ici aussi. Oh, je vais rester. Reste donc, fuck. Salut Sendo. Et salut Ol. Passage vite fait. Ok, ça roule. Boulot. Je sais pas si je dois aller là. Ou par ici. Ah ouais, par ici, ça a l'air pas mal. La course vers le centre, déjà. Il a pas envie que je fasse ça. Hein. Et en même temps, si je rajoutais pas de coups ici, je me faisais peut-être enfermer. Donc là, s'il vient ici, je viens là, il vient ici, ouais. Je vais voir si je peux mettre Glad vite fait de mon côté. Ok. Ça donne envie d'aller là. Attention, la coupe, qu'est-ce que ça donne? Puisqu'il est quand même largement plus fort que moi ici. Peut-être que j'ai plus envie d'aller là et de menacer d'aller là ensuite. Ça peut être intéressant, ça. Tac. S'il coupe, je viens de là. Coupe, je fais atterri. Il sort, je fais atterri. Il sort, je fais atterri. Il sort. Et je peux revenir là. Vraiment mettre de la pression sur ses pierres? Je sais pas. Tac, tac, crosscut. Je ne sais pas. Hop, hop. Je vais rester peut-être ça pour la prochaine. Le centre est entouré de blancs. Ouais, clairement, ouais. Moi, parfois, j'utilise ça pour forcer blancs à faire des points à l'extérieur, si ça m'avantage en début de jeu. De quoi donc? Désolé, je n'ai pas lu au bon moment. Rentrée scolaire oblige, j'ai vu ton live il y a 5 minutes, c'était inattendu. Oui, ouais, c'est parce que ce soir je suis petit resto avec avec madame. Mais même, je pense qu'à partir de la rentrée, moi je pense que je vais faire un peu comme Thérapie Go, je vais plutôt pouvoir faire les après-midi dans ce style-là. Y'a pas un problème avec les 4 coins. Je vois pas de quoi tu parles. Allez, on va faire ça. Franchement. Il y a un joueur, allez, quatre coins, on aura perdu. C'est vrai. C'est pour ça que j'essaye de sortir là, ici, quand même. Faire gaffe avec de pas être trop enfermé. Et je pense que D7 sera important aussi. D7 ou D10. Mais D7, ça peut être pas mal pour mettre la pression sur ce groupe aussi. Ah, il y a eu un. C'est l'un de vous? Ashley Basco. Bon, ok, je connais pas le pseudo. Donc, on va laisser comme ça. Ouais, c'est vrai que là, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Pour l'instant, je pourrais. Après, on verra, j'adapterai. De toute façon, je préviendrai. Il vient ici, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un pari hein, de prendre les quatre coins comme ça. Très bien. J'ai envie d'aller là. Parce qu'il a deux zones importantes, hein, celle-ci et celle-là. Mais justement, en allant là, je peux réduire peut-être l'une ou l'autre. Alors que s'il va là lui-même, ça peut construire les deux. Ou même juste une lobby. Après, il faut aussi prendre en compte qu'il n'a pas répondu à P13, mais je pense que là, c'est peut-être une erreur tout de suite. C'est gros, hein, même si je prends les pierres, mais s'il peut construire, s'il gagne deux coups ailleurs, ça fait mal, quoi.
Je pense vraiment que tourner là, c'est intéressant. C'est cool que Therapy revienne faire des lives l'après-midi, ça marche bien. Ouais, Therapy, c'est trop bien, puisque moi j'aime beaucoup sa façon d'expliquer les choses. Et bon, il est quand même très sympathique, tout simplement. Ça joue aussi hein, quand t'écoutes quelqu'un, c'est quand même, j'aime beaucoup écouter à Râleur sur ses vidéos YouTube. Là, il a repris récemment pas mal. Et bah, moi, je suis assez content parce que j'aime beaucoup écouter les personnes qui sont calmes. Donc, c'est bien pour moi. Et oui, c'est bien l'après-midi, je trouve aussi. Même souvent, il y a pas mal de personnes qui bossent avec un, bah, surtout dans le monde du go, avec un PC. Donc, ils ont un deuxième écran, ils peuvent regarder ça aussi un petit peu. Je pense pas que j'aurai moins de personnes en faisant l'après-midi, en fait. Sauf si je fais en tant que thérapie. Donc, il répond comme ça. Eh bien. Ouais, moi je suis pas un excité non plus, oui c'est sûr, je pense. Ah c'est ça, ouais. Denis c'est bien aussi. Ouais, Denis c'est bien aussi. On a la chance d'avoir Denis qui stream de temps en temps. Ouais. Quand même du calibre là. Je sais pas où te donner la tête là. Un coup comme ça, peut-être que c'est sévère. Ou même prendre. C'est gros. Ou alors un coup par ici. C'est pas mal aussi, c'est le dernier. C'est le dernier grand espace. Je pense que ça peut être intéressant. Prétendre être sur un bord un peu aussi, parce que je suis que dans des coins. Mais ce coup-là aussi était gros. Bon après, je peux pas tout jouer. Madame d'abord, ouais. Pizzeria. Sur Rennes, là, depuis qu'on habite à Rennes, là, depuis 2 ans maintenant, ouais, ça fait 2 ans qu'on est arrivé. Ah, les pizzerias sont bonnes à Rennes. On en a trouvé 2-3 qui sont très très bien. Donc ça fait plaisir. Et quand on retourne à Brest, parce que ah, les crêperies à Rennes, par contre, c'est pas ça. Hein. C'est pas la même. Une pierre après l'autre, tranquille. Ne nous pressons pas. Ok, j'ai été un peu proche, peut-être de sa force. Après, lui aussi, il a des faiblesses, hein, attention. On est safe ici. Ouais, je suis sauté. S'il connecte, grand bien lui fasse. On est bien vivant ici, il n'y a pas de problème. Et là, ouais, j'aurais peut-être aimé avoir M14, ouais. Après, à quel moment j'aurais pu jouer? Il sera peut-être content d'avoir ce coup à un moment. Ou alors, fallait ignorer B15. Ouais, peut-être. Oh, s'il coupe ça, c'est pas trop grave. Si. Il a une forme dégueu. Ouais, ça fait mal quand même. On me demande si je peux pas faire Nick and Toby du coup. C'est parti, les Toby au centre. Mais oui, c'est vrai que ouais, ça pouvait être une strat et sauter moi-même en Toby avant qu'il vienne là, comme ça, ouais, j'avais un coup d'avance, je sais pas, ou alors faire ce coup-là ou ce coup-là. Quand même, quel gros gros coup. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. Une petite strat, mais après que maintenant qu'il y a le M3, c'est peut-être plus chaud, c'est de faire cette séquence stack où on saute et ensuite on va en R11. Ce qui s'installe et en même temps attaque ses pierres, je sais pas. Mais ouais, avec le M3, c'est peut-être un peu risqué pour mon coin. Parce qu'il aurait le S7, il pourrait réduire là, il aurait des séquences assez chiantes. On veut du combat. Ouais, bah oui, là je pourrais sauter là aussi. Et dire regarde tes trois pierres. Mais je pense que d'abord je vais me mettre en sécurité ici. Mais c'est vrai que j'ai pas envie qu'il vienne par là. Sauf que si je viens moi-même par ici, il fait Kosumi et il y a quand même une sacrée pression sur mes pierres. Je pense que je vais me casser pour le moment.
faut juste que je vérifie quand je fais le Nick and Toby s'il vient là ou s'il vient là et qu'il fait le double année, pas qu'il fait année. Ouais, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué. J'aime pas trop les Nick and Toby de toute façon. Voir Ikomi. La brute. Aussi bien ça marche. Si j'avais une pierre de plus ici, ou même un Toby, pourquoi pas, je pense. Salut Inalter. Bonjour à tous. Le titre du stream m'a interpellé. Ça veut dire, selon toi, que 2 QOGS est équivalent à 1830 Elo aux échecs. C'est seulement. C'est ce qui a marqué ici. Tac, tac. Attends. Ouais, c'est marqué quelque part. Je sais plus où j'ai vu. Voilà, ici. 1830. C'est juste ce qu'il y a d'indiquer, ouais. Mais c'était pour interpeller justement que j'ai mis ça en mode s'il y a un joueur d'échecs dans le camp, peut-être qu'il viendra. Mais je t'avoue, j'en ai aucune idée. Si je fais ça et qu'il coupe, tac, tac. Il peut pas couper. Donc il irait là ensuite. Donc je préfère aller là, je pense. Mais il peut couper ici. C'est un peu risqué parce que je vais là, il sort. J'attaque ces pierres. Ouais, on va juste reculer. Enfin, on veut juste faire le bambou. Ok, j'avais jamais remarqué ces données sur OGS. Ouais, moi non plus, on me les. C'est d'autres spectateurs qui me l'avaient fait remarquer aussi. Et en même temps, c'est sympa, je vois pas pourquoi ils mettent pas ça partout, par exemple. Notamment les joueurs d'échecs qui sont plus. Ils connaissent mieux, j'allais dire plus à l'aise. Je sais pas si c'est une question d'aise, mais ils connaissent mieux ce système de classement, donc. Je sais pas pourquoi. Je dis pas d'abonner Qdan, je crois qu'il en a parlé l'autre jour, Therapigo. Je dis pas d'abonner Qdan, mais avoir les deux côte à côte, pourquoi pas. Tac, tac, ça c'est chiant. Est-ce que j'ai envie de répondre à ça? Oui, il va développer ici. Et s'il fait attaquer de ce côté, je vais là et qu'il continue. Continue, et c'est un peu dangereux pour ce côté. Je sais pas. ...1130 sur OGS. Du coup, ça correspond à quoi? Ça correspond à... 9Q ou 10Q? Je saurais même pas dire. Ouais, c'est pas bon tout de suite de faire vrai commis. Il me manque une pierre par là. Mais pour le moment, je vais faire ça. Allez, soutenir ce groupe. Tout en rendant encore plus la coupe en O13 moins intéressante, moins l'Atari. Et c'est peut-être bien coté, ça. Mais en même temps, s'il sépare, j'ai l'air assez mal, tous les pierres blanches qu'il y a là. D'abord connecté, et après on verra, même si je voulais rajouter un petit coup vers E6. Ou E7. Ouais, c'est vrai que j'ai un jeu peut-être un peu lent, oui. Désolé, déception pour toi, Sendo. Bon, ici, il a un œil s'il veut en Sente, tac, tac. Donc, c'est très dur d'attaquer ça, quand même. Il faut que je compte un peu, je pense. Ouais, j'ai 35 points pour le moment, c'est pas foolish. Lui, rien qu'avec le commis, ok, il lui faut 30 points sur le plateau, sur le goban. Imaginons ici, là, 3 fois 5, 6, 7. Ouais, pour l'instant, il est en avance. Hein. Après, je suis plus solide. Je peux réduire largement, mais oui, je joue un peu lent, c'est possible. C'est vrai que je suis très lent. Salut Nimzak, ça va? Ouais, je suis un peu lent, ouais. Qu'est-ce que je peux faire là? Allez, on va attaquer un peu. Est-ce que c'est trop tard? Je sais pas. S'il vient par-dessus, je peux aller là, il coupe, je fais Atari, tac. Réduire au moins.
Ah oui, ça doit pas être foufou. Au moins, t'as la connexion dans le train. Ok, bon, je vais connecter, au moins ça me renforce ici. Tu vas où? Si c'est pas trop pas discret. C'est quoi ça? Je peux encore connecter au-dessous. Bon, on coupe, je peux encore connecter là et sortir. Bizarre. Comment il va protéger? Il va protéger ça là, vraiment, du coup? Ou alors faire. Yoyomi. Ouais. Je sais pas. Allez là. Je suis vraiment pas fan de ce qu'il a fait là. Tac, tac, tac. Je sais pas. Ça a pas l'air fou ce qu'il a fait. Il va être obligé de défendre de groupe. Ouais, c'est bizarre. Attends, il faut juste que je vérifie. Bon, ok, il joue là. C'est compliqué, hein, un peu. Dix, Ok, si je vais là, il neuf, peut aller là. Je viens huit, ici, il peut sept, couper. Je sais pas, six, j'ai une bêtise ici. cinq, quatre. Bon, elle est là. Ah oui, t'es en République tchèque. Ah, Bruno, ouais, ok. Je vois où c'est. Tac, tac. Noir, blanc. Je pense pas que je puisse aller là. Il coupe. Dix, Je viens là. neuf, huit, Il met Atari. sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Attends, peut-être que je peux juste gagner une belle forme sur l'extérieur avec le sacrifice. Je sais pas trop. Tac. Dommage, hein, ici il manque petite liberté. En tout cas, pour le moment, on peut faire ça et relier nos pierres. Il fait pas tant de temps que ça de points ici. Ah oui, j'ai pas bien lu. Dix, Ah oui, c'est nul ce que je neuf, fais en fait. huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. C'est un peu ça, Valois. Je sais pas ce que je fais. On se laisse guider par les mauvaises formes. Vous Oh avez mon gagné. Dieu! Cette fin de partie de merde. Pour lui comme pour moi, un peu quand même. Bon ben, merci, mais bon, I guess. Ah, oh, c'est dur. Il s'est laissé emporter par le par la séquence en mode ah t'es nul, je vais de toute façon je capture. Ah c'est dur là. Salut Namae Onai. Bon. Ouais, c'est. Bizarre. Du coup, bien sûr, hein, il capture, je viens là, il complète. Ils me disent allez là, tac, tac. Quand il vient ici, je pouvais faire Atari, tac. Ouais, non, il y avait rien de spécial. Est-ce que j'avais pas un truc? Non, j'ai rien. Donc faut garder ça pour plus tard parce que j'aurai ce coup plus tôt. Et là, s'il s'amuse à protéger, peut-être que c'est un peu plus chaud pour lui. Non, ça va encore. Bref, ils disent
Atari, du coup, forcément. Tac, 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 tac. Et on voit ici, on pouvait s'amuser à attaquer. En même temps, s'il fait pas ça, il l'affaiblit vachement ses pierres. Parce que nous, au moins, on serait très solide ici, quoi. On peut pas couper toute cette ligne. Donc, il dit ça. 12, il protège. Et nous, on vient prendre ça. Et en fait, comme ça a réduit ici, ça a réduit le bord nord, ça prétend qu'on aura assez, quoi. Voilà, c'est à priori, la partie est très équilibrée, quoi. Ok. Ok, ok. Comment gagner de énormément de points? Ouais, là, oui, là, c'est beaucoup, on va dire. Oui, parce qu'il meurt à gauche aussi, en fait, avec ça. Parce qu'il a un œil ici, mais ouais, il en aurait pas eu deux. Ah, c'est dur quand même, hein, je pense. Ça doit aller là, ça le fait chier. Ouais, il passe à la suivante, et voilà, hein, il faut oublier. Il faut oublier. Bon, je vais télécharger le SGF et je vous amène sur Catherine. Allez, on va regarder ça. Tac, tac, à chaque fois, j'oublie de... J'ai pas besoin d'attendre la fin. Bah, c'est très équilibré, en fait, hein, cette partie. What? J'ai jamais vu ça. Ok. La première erreur, elle est quand, selon eux? Ok, d'accord, oui. Bon, après, c'est pas des séquences compliquées qu'on a faites, mais... D'accord. Ouais, je vais vous l'envoyer, je vais la trouver, attendez. Hop, YouTube. Ok. Je crois que c'est celle-ci. Tac, tac. Hop là. Pouf, pouf. Salut, c'est parce que les points sont très hauts que tout est aplati. Ah, oui, oui, je suis bête. Merci Chris. Tout simplement. Oui, c'est logique. Alors, noir, blanc. Blanc. Jusqu'ici, rien de bizarre. Hein. Là, on fait ce qu'on veut, on vient ici. Du coup, la première question, c'était... Est-ce que j'ai vraiment droit de prendre le coin? Bon, ok, c'est pas le meilleur coup, mais c'est pas une grosse erreur de faire ça. Ok. Donc, j'ai tout à fait droit de faire ça. C'était juste pour changer, mais a priori, ça va, c'est ok. Donc, je viens là, il descend. A priori, il faut faire l'Atari tout de suite. Il descend, je dois revenir là tout de suite. Ok. J'ai gagné la G, en quelque sorte, quoi. Donc je descends, on oublie tous les deux. Ici, je me demandais si c'était mieux de faire ça ou celui-là. Donc c'est pas une grosse erreur de faire ça, mais c'est mieux d'aller là, d'accord. C'est vraiment pas grand-chose. Tagazok. À tes souhaits. Ça va, BFM? Tac, tac, tac. Rien de spécial à dire. Hein. On approche, il se défend. Et ici, ouais, j'hésitais à aller là, parce qu'il avait quand même une... Ben, j'ai trois coins, donc il a une belle force sur l'extérieur, donc j'hésitais à aller ici. Et après, oui, c'est ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas une grosse erreur que d'aller dans le coin encore une fois, quoi. Ouais, tu reviens au bon moment. Donc ouais, et après, oui, ici, ça se jouait en haut à gauche, quand tu demandais Caroxys. Ça se fait tout à fait. Faut assumer, quoi, la force de l'adversaire, quoi. Tac, tac, tac. Mais de toute façon, après, oui, il n'y a rien de choquant dans ce qu'on a fait au début, hein. C'est la première grosse erreur de plus d'un point, on va dire, quand il vient ici. C'est vrai que sur le bord nord, c'est assez dur de développer. Donc autant protéger sa coupe le plus clairement possible, quoi. Et j'enchaîne sur une erreur idem, voire plus grosse. Ok. On met trop d'importance sur ça, il faut couper tout de suite. Parce que la situation sur ça n'est pas nette, et ici non plus, clairement, quoi. Ok. Et en même temps, c'est vrai qu'avec ce coup de contact, donc effectivement, j'empêche le développement trop sur le centre, mais il se renforce du côté qui l'intéresse. Donc ouais, c'est je vois la petite erreur. Ouais. Ok. Tac, tac. Il approche mon coin. Je prends de ce côté. Bon, c'est kiff-kiff. Tac, tac, tac. Je commente pas trop de choses parce qu'il n'y a pas de grosses erreurs. Hein. On va voir dès qu'il y aura une très grosse erreur. Et ici, il faut que je vienne directement aplatir, ok. Là, c'est un peu gentillé parce qu'il peut se développer facilement dans cette zone, quoi. On voit, je viens là, il développe par là, on va dire. Et on voit directement, il va développer soit vers là, soit par ici. Donc c'est un peu dommage. Un jeu de patience, clairement, oui. Donc là, il faut clairement devenir réduire. C'est le coup à l'épaule sur cette pierre en L17.
C'est pas le coup à l'épaule que je voyais dans la partie. Hein. Moi, clairement, dans la partie, je voyais celui-ci à un moment. Je savais pas si je devais le jouer ou pas. C'est pas une erreur. J'ai l'impression que pas beaucoup de coups seraient des erreurs a priori. Hein, ouais. Mais bon, moi je saute, il vient là. On est patients tous les deux. Finalement, si, je pense que c'est quand même assez plein, hein, parce que aucun de nous deux ne fait de grosses erreurs. Il n'y a pas eu plus de deux, on va dire. Tac. Et tout à l'heure, je parlais de ça, après ce coup-là, ou peut-être après cet échange-là. Je parlais de ce coup-là, et je disais, c'est peut-être un peu dangereux pour mon coin. Et l'IA dit non. Pensez à ça. Tac, il vient ici. À ça. Tac, et à cette séquence-là. Qui à la fois s'installer ici et attaquer ses pierres. Et après, ouais, c'est jouable. Lui, il répondrait plutôt comme ça. Et on irait ici directement. D'accord. Qu'est-ce que ça donne? Tac, tac. Il sacrifie une partie, quoi. On va faire atterrir là. Non, on coupe d'abord. Il vient et on vient ici. Après. Ouais, c'est un peu particulier. C'est redonner finalement le bord. Mais on a gagné pas mal de force sur l'extérieur. Et c'est ce qu'on voulait finalement. Mais bon. J'aurais eu un peu de mal à tout lire, je pense. Hein. En jouant ce coup sur la deuxième ligne au début, de me dire ça va me donner la force sur l'extérieur. Honnêtement, ça c'est vraiment dur pour moi à lire encore. Hein. Ok. Pardon, c'est pas la partie. Moi je viens ici. Et il fait Atari et on me proposait ici de ne pas capturer, mais du coup on me disait de pas capturer, on me disait de jouer quoi à la place. Qui me disait ça? C'était toi, Caroxys? C'est plus. Je ne sais plus. Moi, si on est sûr d'être vide. Oh, ok, c'était toi, Valois. Donc, tu proposais quoi, par exemple, comme coup? Mais ça appelle. Non, oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça, peut-être que si tu proposes un des autres coups, peut-être qu'il va trouver de l'herbe. Attends, on va mettre espace et voir si. Il imagine un autre coup, si on voit un autre coup qui est un peu vert, par exemple ici. On en parlait, hein, de... Nous, on parlait de R12. Après, oui, c'était plutôt R11, ok. Justement, avec R12, moi, j'avais peur du... Toby ici, si on vient là, qui crosscut. Donc, pour pallier à ça, peut-être venir directement ici, ok. Donc là, c'est en train de réfléchir un peu, mais ça trouve rien de spécial, j'ai l'impression. Je pense pas. Là, ça réfléchit. Non, ça trouve rien de particulier. À la rigueur, descendre, ils disent. Mais bon, je pense pas que ce soit faible. Ok. Donc ouais, il faut capturer. Ça a l'air d'être ça. Hein. Et ici, venir direct, très dur. Ok. Mais il se lance dans du combat. Et après, il faut que j'ignore. Ou alors que je coupe. Ici. Et du coup, s'il veut vraiment prendre cette pierre, il va sacrifier. Mais finalement, le gain est intéressant aussi. N'est-ce pas? Tac. Il va protéger pour pas laisser la gueule de tigre. Et nous, on peut encore attaquer et réagir de toute manière. Donc on a quand même eu du gain. C'est full territoire. Mais moi, j'aime bien ce style, en fait. J'aime le point pur, en fait. Hop, hop, hop. En tout cas, on saute comme ça. C'est pas des grosses erreurs. Hein. C'est... Ici, on connecte, il connecte. Et ensuite, ouais, il faut menacer le Warikomi dont on parlait. Ouais. En même temps, oui, hein, imaginons n'importe quoi. Ici, là, ça a l'air de bien marcher. Hein. Tac, tac. S'il connecte de ce côté, on peut venir là. Ou pas. Ok, non, je me trompe. Ça marche pas. Je disais que la connexion de l'autre côté, je suis bête. Ok, ça marche pas. Donc, ça serait un peu tôt de faire ça. Qu'est-ce que ça menace, ça, du coup? Si on fait n'importe quoi, ça menace quoi? Ça menace... Ça empêche que Blanc se développe ici, j'imagine. Parce que quand Blanc dans la partie a pu... Faisons n'importe quoi, quand Blanc a pu faire ça, il se développe vachement ici, on voit il va faire pas mal de points. Ok. C'est surtout pour ça, j'imagine. Et nous, dans la partie, on saute encore. Ouais, potentiel Blanc, ouais. Ok. Je vois. Et il peut encore faire des choses, hein, mais au péril de ces trois pierres, quoi. Ok. Donc lui,
Là, il vient de ce côté. On connecte. Il vient ici. Et là, j'ai tenuki ce truc. Enfin, j'ai été là. J'étais en mode, c'est pas si grave. Lui, il dit, ça coûte rien d'aller là. Mais moi, ça m'embêtait parce que ici, j'ai pas envie de répondre. Et c'est à ce moment-là qu'il dit tenuki. Ah, c'est... En fait, ça, je trouve que c'est chiant ce genre de forme pour lui. Mais en soi, ici, j'ai pas répondu parce que j'étais en mode, bah, il est déjà solide. Donc, on s'en fiche qu'il soit solide et qu'il puisse prendre la pierre. Mais dans ce cas-là, c'est le même raisonnement ici. Oui, il fera une belle forme, mais au moins, mettons n'importe quoi, hein, quand il vient ici, il fait pas atari, il prend pas la pierre tout de suite. Donc peut-être que c'est plus intéressant pour moi de garder ses pierres. Alors que là, en faisant le tenuki tout de suite, quand il viendra là, il peut peut-être prendre davantage. Donc c'est un peu... Pas tout de suite, hein, mais plus tard, si imaginons il a une pierre là un jour. Donc ça coûte rien de faire ça, et d'après jouer ailleurs. Parce que de toute façon, dans ma décision, ça laissait ça. Donc je suis pas logique dans mon raisonnement, ouais. Bah d'après une Limbuggy. Enfin, t'arrives ou tu parles? Ouais, je sais pas. Bref, je vais ici, c'est la première grosse erreur de la partie d'ailleurs. Tac, il vient pas ici. Et moi j'attaque. Là, ça c'était très bizarre. Et moi j'y réponds, c'est un peu bizarre aussi, puisque là j'ai l'opportunité de tuer tout ça. Enfin, de mettre vraiment la grosse pression, et après il va défendre. Parce que j'attaque les deux groupes en même temps. Il se passe s'il coupe direct. Il vient là, il coupe. Imaginons hein, vraiment de s'il continue dans cette idée. Il peut pas couper parce qu'on peut aller là. Il vient ici, on vient là, il y a Atari. On met en Atari et on peut revenir prendre les pierres. Ok. Donc, en fait, c'est tout simplement compliqué pour lui de venir couper Stoby tout de suite. On peut venir là d'ailleurs tout de suite. Ok. C'est vraiment dangereux pour ces deux formations. Ok, moi j'ai connecté un peu comme un bêta quoi. Et il vient ici. Ça c'était bizarre. Hein. Tac, tac. Il vient ici. Et moi, ouais, je dois monter et gagner plus de liberté. On a l'impression que ça c'est bon, mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Si je connecte, il peut couper ici. Si je connecte, il peut couper là. Et dans les deux cas, c'est mauvais pour moi. Ok, ok. Donc un Nobi, c'est plus solide. Et il peut pas juste bloquer, quoi. Il peut pas juste bloquer, il risque de mourir tout là. Ouais, plus 30, donc il va perdre ça après, oui. S'il veut vivre de ce côté. Et il veut vivre de ce côté, parce que c'est plus gros, largement. Ok, juste Nobi, simple. Ça roule. Et là, on va arriver sur la fin de partie, où c'est un peu dramatique pour lui. Ça part d'une erreur de ma part, hein, parce que moi j'étais en mode, comme ça, il va faire ça, et je peux faire ça, il capture, et je gagne de l'influence, et après je peux jouer, ben voilà, moi je pensais à un couvert là, et advienne que pourra. Mais du coup, ça part d'une erreur, parce que je suis en mode, ah oui, mais il peut faire ça, mais en fait, là, on abuse tous les deux, ok. Tac, 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 et le auto-atari à moins 95. Aïe, aïe, aïe. Il meurt partout. Par contre, a priori, quand il fait ça, je peux aller là. S'il répond, maintenant on peut faire Atari, et il y a un co. S'il répond au co, maintenant on peut prendre les pierres. Donc il répond pas au co, hein. Il revient là. On peut remenacer de capturer les pierres. Bon, imaginons, il les protège solidement. On peut encore menacer de les prendre. Il va les reprotéger. Et là, on peut prendre le coup. C'est immense. C'est un peu un pique-nique co, en fait. Il est gratuit. Donc, il faut vraiment qu'il fasse atterrir de ce côté. Ok. Donc, en fait, cette séquence, c'était forcé. Mais il avait pas tout lu et j'ai pas tout lu. Ok. Donc là, on fait tous les deux des grosses erreurs, quoi. Parce qu'il y a des séquences à jouer en haut. On n'est pas bon sur cette partie, je pense. Enfin, sur la fin de partie, on n'est vraiment pas bon tous les deux. Heureusement, ça a été bien pour moi, mais ça aurait pu être l'inverse. Ok.
Bon, on va passer à la suivante. Je dis bonne partie. This game. Hop. Ok, on va jouer. On va faire des Komoku aujourd'hui. Que des Komoku. On va les faire opposer d'ailleurs. Hop. Donc c'est 20. Ouais, bah c'est quand même une partie longue. Et j'ai 6-5 de commis, ça roule. Il fait ça comme ça. Approcher ici. Normalement, il devrait venir vers C5. Ou M3, je crois que ça se joue aussi. Ok. C'est toi qui aimes pas les Yoshi, non? Je confonds avec quelqu'un d'autre. Alors, je suis beaucoup plus à l'aise avec les Komoku. J'aime bien penser tout ça, même si maintenant ça se fait plus trop. Mais j'aime bien les Komoku parce que j'aime bien le territoire. Mais en vrai, non. De là à ne pas aimer les Yoshi, je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a dit ça, ouais. Pendant très longtemps, mon style, c'était un Yoshi, un Komoku. Que j'essaye d'être le plus flexible possible, quoi. Bon, on va venir là. Hein. Next game. 1, 2, 3. Next game. Double Sansan en opening. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, je pensais changer pour les... parce que là, les avec les points de chaîne, là, j'avais mis un peu de trucs, mais bon, en fait, c'est un peu le bordel quand ils ont utilisé, quand j'ai rechangé, là, pour... Tenuki, j'en ai 2-3 qui sont bien amusés dans le chat, et tous les deux coups, je devais couper ou Tenuki. C'est un peu compliqué des fois. Ah, c'est marrant, ça. Ah, j'ai vu S3 la dernière fois, mais ouais, je peux aussi mettre tout simplement des trucs un peu plus plausibles. C'est choisir mon ouverture pour la prochaine partie, par exemple. Ça peut être plus sympa sans être trop contraignant, on va dire, quoi, clairement. Ah, c'est vieux ça, S2, mais c'est possible. Ah oui, c'est possible, mais j'ai vu la S3 là dans des parties, bah, notamment dernière vidéo, allez voir de râler autour du Goban sur YouTube, son adversaire répond S3. Mais je me souviens plus qu'on doit répondre après S2. Je me demande si c'est pas ça, mais il y a double. Bah non, c'est pas ça. Ça serait bizarre. Est-ce qu'il peut double Atari? Et je réponds, il capture. Et je peux plus faire Atari, en fait, donc c'est un peu bizarre. On peut de nouveau utiliser Tenuki au coupe si tu veux, j'ai encore assez de points. Non. C'est trop chaotique. En vrai, ici, juste Atari, il recule. Je sais pas. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Moi, je sais. en vrai, j'hésite à... bon, c'est inamical, hein. Donc je veux pas utiliser 30 ans non plus. On a déjà essayé plus de 3 minutes, là. Tac. C'est sûrement pas bon, parce que c'est une suite d'Atari, un peu dégueu. Mais en vrai, ça fait un peu penser au Kobayashi. Je vais P4 ensuite. Maintenant que je le vois, bah là je pensais à P4, il répond là, et je vais en Q4 par exemple. Maintenant que je le vois, je me demande si je peux pas faire ça. Il vient ici, je viens là. Et ici, je viens là. S'il fait Atari, je fais ça, il capture, je viens là. Et on fait un mur solide, et après on vient là. Ça rien. Franchement, je... Bon allez, on va tenter. Sinon, P2. Peut-être. Peut-être que ça existe aussi, ouais. Sûrement même. Et là, on vient là. En vrai, ça doit exister, non? Je me suis trompé, BFM? Ou est-ce que c'est une des possibilités? En vrai, là, ça fait un petit Shibori, là, il capture. Là ou là. Et on remet un Atari. Ouais, ça donne peut-être pas mal. Mais on a un mur, hein, solide.
Ouais, mais en fait, je disais là, mais ça, c'est tentant aussi. Parce que si lui-même fait cet Atari, il prend... Ou celui-là, même. Peut-être chiant. Ah! Je sais pas. P7 ou D5? Je ne sais pas. Ou même un coup comme G4, c'est pas de mort. Après, je suis pas sûr que ce soit incroyable P7 parce que ça laisse quand même un coup gratuit en N6. Quand on connecte, bon, c'est toujours une pierre qui est. C'est vraiment un échange agréable pour lui. R4, j'ai jamais vu. Ok, donc ça veut dire que c'est mauvais. Il me semble que P2 c'est très bien et que Q2 et P4 sont possibles. Ok, ça roule. Donc j'ai fait le seul qui n'existait pas. J'ai peut-être inventé un truc. J'hésite entre G4 et D5, mais en vrai D5 c'est bien, c'est un Shimari. S'il vient par là, on peut mettre une pression directe. Ouais, c'est vrai que ça donne peut-être beaucoup. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. C'est vrai que ça lui laisse encore du bon yossé. Atari dans le sens qu'il veut ici. Ouais, j'ai le santé, hein, mais bon. On va pousser contre la force déjà. Il faut quand même qu'il y ait un gain. Pour moi, la réponse initiale, c'était P2 ou Q2. Ok. Donc, ouais, même avis que BFM. P2 ou Q2. Ok, ouais. Q ou R? R, il y avait déjà du coup. R2. Prendre ça, je pense qu'il va étendre jusqu'à C7. Là, on voit, il protège, je vais là. Et là, il étend jusqu'ici. Ça peut être intéressant. Parce que s'il vient en D... Ouais, je sais pas. J'ai quand même un coup intéressant ici. Bon, je sais pas si c'est le coup qu'il faut jouer tout de suite, mais bon, coup que. Il y a aussi ce bord-là, là, qui... Je sais pas comment faire. Ça. Ou ça. Bord nord, il est un peu... C'est pas fou. Ouais, là, j'hésite vraiment entre C8... R14 et P7. Approchez le coin. Réponse grand espace. Ouais, c'est ça, ouais, sûrement. Sûrement, sûrement. Salut Shenblood. Bien le bonsoir. À 17h, c'est le bonsoir. Faut que je surveille un tout petit peu l'heure, il faut que je m'arrête 19h max à peu près. Ça veut rien dire 10 à peu près max. Salut Pastek, ça va bon? Ça va? Il est bon comme ça, ok, je pensais qu'il allait me kick. D'accord. Ça va bien, merci. Ça va. Bah du coup ça me donne envie de faire ça. S'il vient par là. J'étends. S'il vient par ici, on pourrait utiliser cette pierre pour l'écraser peut-être. Mais en même temps, là, grâce à ce coup en P7, on commence à englober un peu R4 tranquillement. K4. Ça peut être sympathique. Si j'obtiens les trois coups dont on a parlé, ouais, non, ça aurait été abusé que j'obtienne celui-ci, celui-ci et celui-là. Bon, cela dit, est-ce que j'ai envie de répondre à ça? Pas forcément. En même temps, il craint rien ici, il craint rien là. Cette pierre, pour l'instant, je l'ai pas. On l'a pas englobé ni rien, donc ouais, je comprends. En vrai, j'ai peut-être envie de jouer ça. Hein. Je suis en quatrième ligne ici, si on prend ce bord-là. Donc jouer ici. Ce Shimari en quatrième ligne, on assume de pas forcément avoir le coin. Donc là, c'est plutôt faire un moyo ici. Si on rajoute un coup par ici, ça commence à devenir conséquent.
Si je réponds, c'est peut-être un peu long. En soi, je suis pas en danger. On va jouer solide. Ok. Une Kentobi, donc on peut le couper. Mais est-ce que c'est intéressant de le couper? Il reste toujours K17. Ouais. Après, voilà. Moi, je pense que J17, c'est pas mal pour blanc. Je sais pas si j'irai jusqu'en K17, en fait. Mais oui, c'est un grand espace aussi. Tu penses que toi, t'aurais joué plutôt dans cette zone plutôt que le K7? C'est dégueu ce que je fais. Tic, tic. Ouais, c'est pas incroyable. Ouais, s'il sort pas. K7, faut être sûr de kill quelque chose, je trouve. Ah ouais? Ok. Pour le jingle, enough. Pourquoi enough? Comment ça? Ah oui, ok, pour le pâté, putain. Ouais, c'est vrai que là, c'est... peu enviable, on va dire. Ouais, Yu Sendo, là, il a son combat, ça a juste été attendu une partie, ça va. Après, je suis 8-9 Q. Alors, je pense que sur cette séquence, j'ai pas voulu valer beaucoup mieux. T'inquiète pas. En vrai, j'hésite à faire ça. Parce que ça menace de prendre là. En quitta. Ah, c'est moche, hein. En vrai. Je suis désolé pour ce crime, mais ça règle un problème. C'est moche. Et voilà, on peut prendre un guetta. Ouais. Tout est calculé. Bon, maintenant il reste ce truc. Fermez les yeux, les dégâts. Ouais. C'est pas beau. Atari. Attends, c'est dégueulasse. Mais bon. Non, il n'y a rien qui va sur cette partie. Il n'y a rien qui va. Je vais finir par crever ici. Hein. Ce qui peut couper. Je m'étends. Non, il vient ici d'abord. Mais du coup, il peut plus couper. Merci, fuck. C'est vrai que là, on... elle est pas mal. Encore un angle vide. Ah, ça va. Jamais 203. Deux coups, un angle vide, parfait. Si je fais ça, quand il coupe, je suis obligé de capturer et ensuite il peut venir là. Donc là, il faut plutôt venir ici. Mais il peut quand même couper. Ça pue. Ou alors on connecte. L'angle vide était utile. Du coup, là, il sort. Et on peut venir là. Tac, on est là. Ça meurt.
calculer. Bon, en vrai, il doit rester une séquence magique pour faire un deuxième œil. Hein. Easy. Oui, et c'était, j'ai lu hein, quand j'ai joué ça. en vrai, peut-être ça, tout simplement. Bon, il nous reste combien de temps? 10 minutes? C'est peut-être le moment de lire. Peut-être. Peut-être. Alors, en vrai, ce qui me donne envie, c'est F3, mais... Tu sens venir le CMEA au centre? Non. Non. Oui. Ah oui. Ah bah oui, ok, la phrase est dure à lire. Ah oui, ah bah oui, là, c'est le moment de lire, oui. Ok. Beaucoup de oui. tac. J'ai confiance. Hop. On peut aller là. Ça se passe bien. Tout va bien, Chris. Regarde. Tout va bien. Ok. La petite goutte de sueur là. Tout va bien. Angle vide. Oh, on peut continuer. Hein. Blanc, noir, blanc, blanc. Non, en vrai, il faut que je fasse le faire seulement si je survis. Et de toute manière, c'est dégueulasse les formes que j'ai faites et tout. Ici, il y a encore des trucs bizarres. Faut penser au E4, par exemple. Je vais là. Il descend. Tac. En fait, je pense que ça ira, mais c'est vraiment dégueulasse ce que j'ai fait. Parce que plus il va tenter des trucs, plus il va se retirer de liberté également. Après, là, il en a gagné pas mal avec son J2. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Je vois. Salut Madoc, ça va et toi? Atterrissage manuel en état d'urgence parfaitement effectué par le petit pilote breton. Tout à fait. Ici, tac, tac, c'est pour faire... Je sais pas. Parfaitement. Pour aller là ensuite. Et je peux aller ici. Il peut faire Atari, certes. Je vais là, il sort. Mais dans ce cas, je peux faire Atari ici. Tac. Oh, c'est le bordel. Atari. Qu'est-ce qu'il fait? Attention à tes pierres aussi. Hein. Mm-hmm. Ouais, là, il a tilt, le carrément. Le pire, c'est qu'au début, j'ai cru que ça correspondait à... Ça ressemblait à des petits trucs un peu fourbes pour m'enfermer, mais en fait, non, ça marche pas très bien. Ouais, ici, là, c'est... Ouais, c'est du bon gros tilt, effectivement. Ouais. Parce que là, si je fais ça, il sort ici. Ah, je sais pas si je laisse le dos de tortue, quand même. Mais en même temps, je peux prendre ces pierres-là et dire c'est fini, quoi.
de retour de Bretagne, j'ai pu faire mon plein de crêpes. Attends, mais tout le monde a été en Bretagne cet été, c'est incroyable. Il y a Cro, il y a... Ah, Foc, il est déjà breton, mais... Semestriel, mais non, mais... Ouais, c'est tous les semaines des crêpes. Et t'as été où en Bretagne? Parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises crêpes. Déjà, tu dis crêpes. Comment, crêpes blé noir? Comment à Rennes, ils disent galette et... Ça fait des frissons dans le dos. Il y a mes parents là-bas, quoi. Ah oui, bon, ok. C'est d'où? C'était de Basse-Bretagne, c'est bien. Je crois que cette partie va se terminer rapidement. Bon, ça va, on est déjà au coup. Combien? Je sais pas. 104, ça va. On va sortir ici. Tout le monde va en Bretagne. C'est que c'est super. Oui, bon, moi je ne vais pas dire le contraire, hein, je suis pas du tout orienté. Ne regardez pas mon pseudo. Bon, on va peut-être aller là. Audierne, ok. Ok. Oui, c'est les bons là-bas, ils sont bien. Ça me fait rire quand je suis allé en Bretagne, ça m'avait pensé à ton pseudo. Ah bah oui. Brise. Brise, brise, brise. Bon, année, hein. C'est un peu le bordel, non? Alors là, Chris, j'attends de voir la couleur de l'eau changer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Avec le réchauffement climatique, la Bretagne, c'est la côte d'Asie du futur. Oui, non, oui, clairement, ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Hein. Et en vrai, déjà que la Bretagne... Alors, j'ai souvent entendu des... Il y a un streamer que je suis qui est assez, qui a souvent 1000-2000 personnes sur son stream, et qui voue une détestation assez profonde pour la Bretagne, je ne sais pas pourquoi, et pour les Bretons, je ne sais pas pourquoi non plus, on n'est pas loin du petit racisme, voilà. Vraiment qui critique la Bretagne, mais par contre, j'ai déjà entendu souvent des critiques sur la Bretagne, et par contre, du tourisme, il y en a quoi. Ça, déjà depuis toujours, hein, il y a eu énormément de touristes en Bretagne, mais là, ouais, ça va augmenter encore et encore. Déjà, le problème en Bretagne, nous, moi je dis nous, maintenant je suis à Rennes, mais en Basse-Bretagne, le problème c'est de pas pouvoir trouver une maison par exemple, parce que toutes les maisons sont. À des Parisiens ou autres, alors qu'elles sont pas occupées pendant 10 mois dans l'année, et t'es là, ah, et tout, ça fait chier, mais ça va empirer, c'est dur. Hein. Donc c'est marrant cette ambivalence. Il vient comme ça. Oh, elle est là. Hein. Je ne sais pas. Discrimination, oui, c'est complètement gratuit. En mode, mais de toute façon, la Normandie, c'est mieux. Tu peux aimer les deux, mon gars. J'aime bien la Normandie, hein, y a pas de souci. Ne regardez pas mon pseudo, ne regardez que mon t-shirt. Oui, bon, je suis un peu influencé d'une certaine culture. Ah, quand j'étais sur Brest, à chaque fois que je retourne sur Brest, je ne jure, moi d'ailleurs sur Rennes aussi, je ne jure que par les pubs irlandais. Déjà, les prix sont bien plus abordables. Il y a une ambiance bien plus sympa que dans les bars, je trouve, dans la plupart des bars, parce qu'on va pas faire une généralité. Et tu peux y bouffer, c'est sympa. C'est convivial. C'est un peu le bordel. Transformer ma ville en limite en Saint-Tropez. Oh, je suis désolé pour toi. Mais oui, Audierne, oui, c'est clair que. Ça va pas dans le bon sens. Elle est là. Ouais, c'est un peu compliqué pour lui, non? Ensuite on va là, et ensuite on fait ça avec Guetta, et... Ouais, du coup il veut pas, mais... Prends un verset pour les vieilles chéries.
Bah ici, je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Sinon je fais ça, tac, et on joue. Et en même temps, s'il va là, bah, il peut pas aller là. Sinon je fais atterri, tac, et on prend. Donc il doit aller en N12. Donc. T'as vu, Guetta? Tac, tac, tac. Putain, mais j'ai lu qu'il marchait pas parce qu'il est là et ça mettait au atterri. Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Oh là là, je suis nul. Pourquoi pas avoir joué à N12 direct? Je ne sais pas, ouais, c'est extant ça que me fait signaler Chris. Parce que je suis nul. Tout simplement, là, il n'y a pas d'autre réponse. Oh là là, c'est fou. Ouais, parce que je suis pas bon, là. Il n'y a pas d'autre réponse. Ouais, c'est un peu con. Bon, on fait ça, et après on va là, et on prend là. Il est tard, on va dire. Ouais, il est déjà 10h47, les gars. Vous me demandez beaucoup. En soleil, en soleil. En Bretagne, le temps est un peu différent. Là, c'est déjà la nuit. On se concentre, désolé, monsieur. Hop. Bon, lui aussi, par contre, c'est un peu n'importe quoi, ce qu'il fait. Bon, qui suis-je pour juger, mais... C'est moche comme partie, je suis désolé. Ça doit pas être incroyable à regarder. Bon, on va prendre ça, hein. Tac, tac. Peut-être qu'il va abandonner sur ce coup-là. Bon, Margueta. Ouais, il est toujours dans la quête du CMRI. Ouais, ouais, mais c'est compliqué, quoi. Ah, c'est compliqué, c'est impossible. Même si j'ai fait des conneries, c'était vraiment dur pour lui, quoi. Je viens de voir son plan secret. Ouais, ça, tac. Bah non, il peut plus maintenant parce qu'il y en a ici. Non, il peut pas protéger là. Alors, j'ai pas tout lu. Atari Eclampe, c'est plus direct, oui. Ouais, effectivement. Avec le groupe du bas. Ouais, on sait pas trop, ouais. Si R14 meurt, c'est gros quand même. R14. Ouais. Ah, mais il y avait un moment où il pouvait clairement prendre plus facilement tout ça, ouais. Mais là, s'entêter, c'est compliqué. Peut-être que je pouvais jouer en Q11 plutôt. Ouais, mais il pouvait couper. Je capturerais. Non, non, c'est mieux d'ailleurs. Mais de toute façon, ça, c'est plus gros que ça. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal pour blanc. Hein. Bon, il va fermer ça. Atari. On n'en parle plus ici. Maintenant. Donc là, il va protéger un truc du jeu. Bah, il va faire ça. Bah non, ça marche plus. Enfin, ça marche plus. Mais s'il va là, je suis quand même obligé de capturer là. Il peut aller là ensuite. Et je suis coupé avec cette formation. Est-ce que c'est si grave? Je viens là ensuite. Non, c'est pas si grave. Je regardais vite fait hein, s'il n'y avait pas moyen de choper la vie ici. Mais ça a l'air compliqué quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est tellement le bordel, je sais même pas où trop regarder ici comment faire.
peut-être aller par là. Il menace un peu par là. Quoi, on va au centre ? On va peut-être se précipiter ici, je pense. M17 Je regardais N17 aussi par rapport à la G dans le coin, mais... Possible. Possible que ce soit plus raisonnable. Tu es plus raisonnable que moi, je pense, de toute façon, de manière générale, Chris, sur le goût. Ah, je commence à avoir la dalle. Il faut que je me réserve. C'est à 20h. Je me dis, j'ai juste pris tranquille, macro, maïs, là, en mode pizza, pizza. Allez. On fait de la place. Est-ce que je peux m'autoriser ça? S'il connecte. Ensuite, on peut encore. On peut faire année ici. Mais tac, tac. C'est peut-être un poil gourmand. Salut le Mirona. Sur KGS, je suis un Dan. Sur Fox, je suis 3 Dan. Mais sur OGS, voilà, je remonte petit à petit laborieusement, mais je sais pas pourquoi, je suis resté bloqué 2-3 Q très longtemps. Je sais pas pourquoi. Après, il y en a qui m'ont dit que c'était plus dur sur OGS, mais je pense que c'est aussi du cas par cas, je pense, par rapport à des styles et tout. Mais oui, c'est vrai que c'est bizarre la différence. Ce serait gourmand de pas manger. Ah oui, de pas manger ça, parce que oui. Salut Goshi. Ouais, parce que je peux pas pousser là après et tout. Sors un peu gourmand, ouais. Allez, hop. On est quelqu'un de raisonnable. Par contre, après on peut faire ça. J'aime bien W, Badox, c'est encore viable. J'y ai jamais joué, on m'avait déjà demandé et j'y ai jamais joué, donc je vais pas te répondre au risque de dire des bêtises. Faut que j'y joue, je vais me le rentrer à côté, m'inscrire et on fera un test une fois. Hop. Et peut-être que dans le chat, il y en a qui savent. W, Badox, hop. Je mets en épinglé et on verra ça. La raison nous dicterait d'envahir le bord droit avec blanc. Non mais j'étais clairement en train de regarder et tout, j'étais ah mais non, c'est complètement de l'abus. Y'a rien. Trop tôt le stream. Ah bah oui, pour toi oui, c'est sûr. Là c'est le matin non encore? Ou midi? Ça paraît très raisonnable, oui. Okay. C'est pour ça que je pensais à N17, à vrai dire. Pour faire de la G, pour faire de la G, pour... Mais bon. En vérité, tac, tac, on coupe. S'il vient là, non, il peut pas, donc il recule. Mais moi, je fais Atari ici, on revient là. Non, il faut pas. Je vis sur le bord. Ici là? Non. Si? Non. Yoyomi. Je pense vraiment que le coup M17 est tout à fait bien comme il disait. Salut WhatsApp. 1155 ici. 10. Correspond 9, vers combien? 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Allez. Le Vadoc, c'est Cybero. Aucune idée. J'étais sûr que tu l'avais envisagé en tant qu'homme de raison. Bah oui. Tu me connais bien. Ah, il y a beaucoup de petits groupes et tout. On peut se demander quand même. On peut se demander, c'est légitime. Par contre, je suis pas tout à fait vivant ici. Il protège, il faut que je fasse mon deuxième œil.
Ah, 11h55. Ok. Et hey, c'est vrai qu'il m'a pas répondu, Gauchil. Et toi, t'es au Chili. Oh, ça doit être à peu près la même. Non, c'est. Ouais, si, ça doit être à peu près la même heure, lui. Ah, je suis obligé de faire ça. Est-ce que j'ai pas fait. Wow. Est-ce que là, s'il vient là, tac, tac. Ouais, t'as compris comme moi, Valo. 8h55 pour moi. Ah oui, c'est tôt. Côte ouest. Ah oui, c'est vrai, t'es sur la côte ouest. T'es sur la côte ouest. Ouais. Tac, tac. C'est un peu dangereux, hein. Si je pousse ici, donc il peut pas bloquer là. Hein. Enfin si, il peut bloquer là, qu'est-ce que je raconte? C'est chaud? Vous croyez que je suis du Kiwan Flow tout de suite? Je sais plus quel signe vous tuez. 11Q, c'est ça? Peut-être qu'un serveur au TDQ, hein. Tu vas sans doute devoir manger les pierres. Ouais, il y a des chances. Tout à fait. Je pense que c'est tout à fait comparable. Ah, c'est chaud, ouais. Tac tac tac. Il a beaucoup de liberté, non? Il va y avoir un c'est qui, non? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faut quand même voir qu'un œil. Oui, deux joueurs à l'intérieur, ouais. Pou. Est-ce que je peux vivre? Si je vais là, s'il 10, vient ici, je. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il reste quatre périodes. Ouais. Est-ce que j'ai moyen de vivre? Tac. S'il vient là, on peut aller ici. Parce que là, il peut descendre, je fais ça, il peut capturer, mais je reviens là. 10, 9, S'il vient là. 8, 7. Maintenant, il peut aller là. On vient ici. Il faut commencer à prendre les libertés du groupe à tuer. Je suis mauvais aussi, mais ouais, il faut. Peut-être que là, c'est de trop OP1. Il fallait peut-être que j'aille jouer ça. Jean Breton, va-t-il mourir? Suspense. Ouais, c'est vrai que c'est plein de liberté. Ouais. Peut-être que là, j'abuse avec ce coup. Ça n'a pas l'air de marcher avec O1. Si je joue R1, c'est ça marche pas du tout pour lui. Mais O1. Bon, après, il faut que je complète ça. Bon, de toute manière, là je peux aller là. Je raconte n'importe quoi, hein. Pourquoi il ferait ça? Il a déjà une forme, j'ai déjà une forme qui est pas vivante. 10, 9, 8, 7, Bref, 6, s'il fallait là, je vais 5, ici, 4, capture, je vais là, donc ça 3. va. Ah ouais, si j'avais joué R1 moi-même? Ok. Ok.
Je suis pas très bon quand c'est aussi compliqué que ça. Ouais, pour avoir un plus gros œil, quoi. Ouais, parce que là, il peut retirer des libertés tout en étant santé. Ok. Effectivement. Son P2 était très mauvais, à mon humble avis. Ok. Ouais, je regarderai ça après la partie, parce que là, c'est compliqué pour moi. Hop, il va jouer ici. Ah, il n'y a pas le choix. Hein. Ok. Et nous, on va jouer là. Ou on capture. On capture. Tac. 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 Est-ce que je suis pas dans la merde? Est-ce que je peux protéger ça? Non. Oh, ça, je sais pas, le Christ en vrai. Je ne sais pas. 10, 9, 8, 7. Il va y avoir un coup. Que je prends en premier. Non, c'est coup, ouais. C'est coup, mais je prends en premier, donc ça va. Ah non, c'est qui, ouais. C'est qui, c'est qui? Zut, surtout qu'il peut fermer tranquillement. Ah oh non, il a même pas besoin puisque je peux plus bouger. Ouais, mais lui non plus, il prend pas. Donc il y a qui, sauf s'il veut jouer le coup, quoi. Mais il a fermé bien ici, donc il n'y a plus rien sur le bord droit. Il a quand même beaucoup de points, hein, du coup. C'est fou de l'avoir laissé vivre ici, quand même. Ouais, il peut jouer le coup, je pense. S'il se décide à faire ça, je vais là, puis il va ici. Je capture en premier, mais il joue le coup. Peut-être un peu risqué. Sinon, il va là. Non, sinon il protège le coup. Je peux pas aller là. Hein. Je vais ici. Il va là. Et aucun de nous deux ne peut jouer ici. Donc il y a Seki. Et il décide de faire Seki. Donc je n'ai pas besoin de rajouter de coup. Ouais, comme menace, qu'est-ce qu'il y aurait? Si, il y aurait eu ça. 10, et si je réponds pas, 9, il aurait capturé et 8, je pouvais plus répondre là pour 7, protéger parce qu'il capturait 6, tout. 6, 5, 4. Ah bon, bah on va jouer 3, ailleurs. Hein. 2. Hop, on va jouer à Pomme ici. Oh, moi j'ai le santé. Bon, bon, bon. Bah non, regarde. S'il avait joué ça comme menace et que j'avais pas répondu, ensuite il capture ici. Je peux pas jouer là. Sinon il capture ici. Et si je capture ses pierres, bah, il aurait capturé tout ça. Et donc sauvé ça. Ah oui, je suis con. Pardon. Je raconte n'importe quoi. Aïe aïe aïe, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Bon, ma menace est clairement visible, hein, c'est d'aller en C10.
Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. 10. 9. 8. 7. Ouais, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est pas un peu gourmand ça? Blanc, noir, blanc. Bon, on va le faire tout de suite. Compliqué, hein? Compliqué comme partie. Bon, je vais bosser un peu, je vais le stream en deuxième écran. Ok, bon courage pour Doublou. Ok, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est compliqué à lire ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pour qu'on m'apprenne à être à plus être des cas. C'est combien d'ailleurs t'as, tu as répondu tout à l'heure? Non, t'as pas répondu. Désolé. Ok. Un QGS. Ok, on a le même niveau. Dix, neuf, huit. Bon, je vais arrêter de toucher à ça. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux. C'est dur. A6 non connexion Miyai. Ah, mince, pardon. A6. Ouais, mais je voulais retirer une liberté. Comme ça, derrière, là, quand il protège ici, quand je viens là, il faut qu'il rajoute un coup ici, sinon je vis. Et du coup, il meurt. Donc il jouerait là. Tac, tac. Ok, il joue que ça comme ça. Ça pue pour lui, non? Parce que là, s'il fait un œil et compte pas d'œil. Et même s'il avait joué là, je protégeais, il venait là. Parce que là, je pouvais faire. Attends, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Je capture. Il a 4 libertés. Dans les Atari, il sortir encore, donc ouais, compliqué. Compliqué pour lui. Ok, il espère que je fasse ça.
Bon, si on prend ça, ça suffit pour la partie, donc on va essayer de pas faire trop de bêtises cette fois-ci. Parce que là, c'était un peu dramatique. Ouais. Parce que là, on vient protéger par ici. Attention, avec tout ça, t'as un œil pour l'instant. Quand je viens ici, t'as un œil. Tu dois aller là. Je viens ici. Si tu veux là, je vais là. Merci Siguil pour le follow. Bienvenue à toi. Donc il décide de faire ça comme ça. Si je vais là et qu'il coupe, parce que ça, il veut que ça soit un faux œil ici. Tac, et qu'il coupe. 10, 9, 8, je peux aller là. 7, coupe. Je peux aller là. 6, tac. 5. Bon, je peux capturer aussi, hein, mais. Bonsoir. Si je vais là, il coupe. Là, je coupe, en fait, tout simplement. Et... Okay. S'il connecte, je connecte. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois. Ça va, non? Regarde, en fait, par rapport à ça. Ok. Ok. Quand il vient là, il peut pas approcher ici, mais s'il vient là, peut-être qu'il va refaire revivre ça. Ouais, il va peut-être faire revivre ça, mais il va perdre tout ça du coup. 10, je regarde si, juste si 9, je... 8, faut juste faire gaffe 7, aux libertés. Ouais, c'est ça. 6, mais je pense que je vais sacrifier, 5, il va prendre ses deux pierres. 4, là, j'ai plus beaucoup 3, de temps. Ouais, si je veux 2, sacrifier une période, il m'en 1. Reste 3 derrière. Il reste 3 derrière. C'est juste si je fais ça, qu'il fait Atari, je vais là, il fait Atari, je suis mort. Donc je pense vraiment que... Et même si je fais ça, oui, on pourrait peut-être... Attends, tac, tac... Je peux jouer un co, mais c'est un peu débile, je pense. En vrai, si je vais ici, tu protèges, on fait Atari là. Bon, il y a plein. Si je vais ici, 10, capture 9, ça. Ou il va là même, tout simplement. 8, 7, ouais, 6, je vais faire ça. Et en tuant ça, on tue ça. C'est largement suffisant. Attends, est-ce qu'on tue vraiment ça? Je vais aller là. Je vais là. Ici, je vais là. Ouais, si. Pro, oui, ça va. On va capturer ça. Hein. Par contre, là, il vient de se... What? Bah, on prend cette pierre. Oui, mais par contre, là, t'es mort au 3, du coup. Attends, s'il capture... Bon, c'est un coup, ici. Ici, c'est un coup, du coup. Ah non, il peut aller là, encore. Si je complète, il capture. Je recapture? Non, je vais là. Ouais, c'est ça, hein. Là il est mort. Il fallait capturer. Parce que là, si je vais là, qui capture, je vais ici. 10. Parce que de toute façon, ici, il me reste deux libertés et lui une. Donc maintenant, je viens là. Il est mort. C'est dur pour lui là par contre, c'est sévère. Vous parce avez que là, gagné. Il est... Ouais, normal, normal. Merci pour le follow, allô Toulou. Ah pas le pseudo. Je vais lui dire merci pour la partie. Hop. Elles sont un peu moches mes parties, mais bon au moins il y a du fight. Hein. Et effectivement comme tu disais BFM, même s'il vivait en bas, ça suffisait pas. Bon, à priori, bon, vous voyez pas le graphe, mais à ce moment-là, vers là, quand il fait le Seki, je suis devant d'un point.
Non, il est devant d'un point. Ok. En fait, je peux tout simplement mettre ça. Hop, c'est un peu mieux, en fait. Donc le graphe, ouais, c'est... À certains moments, il passait de 1, 2, 3 points devant. La fin t'a fait faire plein de pâtés. Oui, pardon. Ah, c'était compliqué. Hein. On va regarder ça, je vais la mettre sur... sur 4 règnes, on va regarder ça ensemble. Alors, noir, blanc, noir, blanc. Ça, c'est normal, normal. Ok. Ouais, merci Lynn Boggy. C'est vrai que c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, alors système. Je sais qu'à partir de 1000 abonnés, on commence à gagner des sous pour les vues sur YouTube. Après, pour du go, je vais gagner 5 euros par mois. Ça me fera mon kebab, je serai content. Enfin, on va trouver un kebab à 5 euros. Mais bon. Après mon sandwich. Hop. Tac. Donc ça, oui, ça se joue. Il fallait que je réponde quand? Ok. Oui, bah oui. Ah oui. Ah, ça, t'en as pas parlé, BFM. L4. Quand tu écrases ton adversaire, faut ajouter des insultes. N'importe quoi. J'ai un kebab à 5 euros à Bru. Ah hmm. À Brest, on en avait aussi. Et justement, j'avais eu un débat... Bah justement, encore ce chien qui aime pas trop la Bretagne. Et je lui avais dit, bah moi à Brest, il y a des kebabs à 5 euros. Et il dit, ouais, pour 5 euros, bah lui, il habite à Paris. Il dit, ah, pour 5 euros, ça doit vraiment être de la merde pour kebab et tout. J'étais là, non, il est bon et tout, c'est juste, t'es pas Paris, quoi. Et en vrai, il était très bon. Voilà, bon, il a fermé pour mauvaise santé du le gérant et a tombé malade, mais... Enfin, j'imagine, mais... Ouais. Il y a des bons kebabs à 5 euros, des fois. 4 euros après taxe. C'est vrai, en plus, Watch up. C'est vrai. Je connais pas L4. Bon, R4 est pas mauvais. Effectivement. Bon, après, tu peux jouer un peu tout. Vous parliez de P2, Q2, du coup, avec Chris, je crois. Donc, je fais ça. Ouais, c'est mon Atari après qui est douteux, parce que sinon, c'est ça, et ensuite... Parce que avant, en fait, là, quand j'ai décidé de jouer ça, j'étais en mode, je fais cet Atari, et puis je recule, là. Ou en K4. Et une fois que j'ai fait cet Atari, j'étais en mode, ah, attends, il y a peut-être aussi ça. Mais ouais, après, oui, c'est plutôt ça. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, il dit Tanuki. Évidemment. Et d'ailleurs. Et après, oui, c'est tout à fait normal de faire ça aussi. Et en fait, c'est simple. Atari, et venir faire ta forme. Et oui. C'est bien. Le coût normal, c'est Q2. 5 euros le kebab, faut que je déménage à Brest. Ouais. Mais en vrai, il était bon, c'était très bien. Un petit maître kebabier, tranquille. Tellement l'habitude que j'allais, il faisait comme d'hab. Je sais pas si je dois en être fier ou pas. Mais... du coup, quand il joue ça, tac. Ok, là, je m'y attendais pas à ça, qu'il fallait faire le guetta tout de suite. Ouais, c'est particulier, quoi. Et faire ça... Ok, c'est parce que ça lui laisse la possibilité de faire ça. Bah oui, parce que si je connecte, je suis mort. Ok, donc il faut faire le guetta tout de suite. Ouais, ça c'est pas évident. Hein. On a l'impression que vraiment, il n'y a aucune pierre de connecter, quoi. Non, en même temps, oui, il faut bien qu'il recule. Et on connecte, ou d'une manière ou d'une autre. Ok, on peut bien faire ça. Ouais. Si, pourquoi pas, hein, puisque là on fait des belles formes. Après, si c'est comme ça, on peut faire ça, donc c'est joli. Ok. États-Unis, c'est plutôt 20$ le kebab. Ouf. $5, je peux voir le coca. Ah oui, bah c'était 5€ avec le coca, avec la boisson. Hein. Évidemment. Bref. Tac, tac, tac. Et ici, quand il continue, c'est ça qui est mauvais, parce que finalement, je fais ma forme. Et après, ouais, je savais pas si je devais jouer un coup par ici, j'hésitais entre ces deux-là, ou ça. Mais en fait, prendre l'extension du... Mais c'est pas intuitif de prendre l'extension d'un mur comme ça. On me disait que c'était pas forcément incroyable de prendre l'extension d'un mur quand c'était comme ça. Et plutôt de l'utiliser comme force. Change de côté, gauchis, c'est trop cher là où tu es. C'est clair. Tac. Et là, il vient ici. Et il faut faire K2. C'est bizarre ce coup, non? T'en penses quoi, BFM, toi? Enfin, après, oui, non, c'est pas bizarre. Si Catherine le dit, mais... J'aurais pas fait, quoi.
C'est bizarre. Donc il vient là. Moi je pousse de ce côté. Et il joue un autre roi. Tac, tac. Il y a 4 avec blanc, je pense que c'est pour la base de vie, pas pour l'extension. Ok, d'accord, oui, parce que c'est menacé ici et j'ai pas de place. Attends, ça commence à me faire mal. Je vais retirer le casque. Pour longtemps que je porte. Hop. Du coup, après noir, K4, on veut faire K2 pour base de vie partagée. Ok, d'accord, donc c'est ça. Ok, je comprends. Tac, tac, tac. Donc ouais, lui, il dit d'attaquer. Hein. Ouais, c'est vrai que ma baguette est moche. Ça sert pas à grand chose au vu de la force à côté. C'est dangereux. Bon, il étend. Et moi, je viens par là. Et toi, c'est pas dur de faire 80. Oui, c'est sûr. Aussi, c'est pas le même. Oui, proportionnellement, peut-être que ça revient au même, quoi. C'est ça, oui. C'est sûr. J'étais en vague dans le sud de l'Italie. Il y a une semaine, c'était 2 euros le kebab. Sandwich plus boisson et sans frites. Kebab sans frites, ok. Ah ouais, c'était quand j'avais fait mon voyage en Grèce avec la fac d'histoire, c'était les boissons, les pintes. On était à Olympie, même à Athènes et tout, et c'était 50 centimes la pinte. J'étais là. Ouais, il y avait piscine sur le toit de l'hôtel et tout, j'étais là. Ouais, ça va être sympa. On va pas se souvenir de grand chose, mais on s'amusera bien. Tac, tac, tac. Ça, c'est marrant aussi. Ok. C'est de jouer vraiment gros, quoi. Vraiment englobé, quoi, cette pierre. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Nous, on monte. Il est temps. Et on vient de ce côté. Tac. Il vient ici. On protège. Il vient ici. Et on englobe. C'est pas le meilleur coup, hein, clairement. D'abord, prendre plus de force. C'est gratuit. Il va rajouter un coup. Prends ton CNT d'abord. Et après, tu... Ok, je pensais... Après, tu connectes. On joue dans le pas d'éléphant. Ouais, on détruit complètement ce qu'il y a à gauche. Par contre, il peut sortir, quoi. K6, c'est plus intuitif pour moi. Que K7. Ok. Il dit lequel, lui, il préfère lequel. Il préfère K6. Juste le boshi, quoi. L'espace. Ça devient même un bon coup, des fois. À 0,5, moins 0,5. Ah, le DI est d'accord avec toi. Plus elle réfléchit, plus elle est d'accord avec toi. Ok, ça roule. Je sais même pas s'il y a des kebabs ici. Il y a des tacos français par contre. Genre 10 euros le tacos. Et le SMIC ici, c'est genre du 500 euros par mois. Ah oui, donc c'est abusé. Ok. C'est le repas de luxe. Ouais, bah il est très bien ton coup en fait. Ok. Plus intuitif le boshi. Donc ici ça va être à peu près équitable. Oui, il y avait des séquences, on va pas tout regarder. Il y avait des séquences que je voulais regarder, c'était en bas là. Donc ouais, on avance vachement. Quand il commence à jouer en bas, il joue ici. Moins 40, ok, d'accord. Et du coup la partie redevient équilibrée à cause de ça quoi. Faut que je vienne à l'intérieur. Il peut faire ça. Il fait Atari. Il vient là. On sacrifie cette pierre, mais comme on peut aller par là, ok. Parce que là, s'il coupe, on s'en fout, il capture, puis on peut venir là, tac, puis on peut venir là, et en fait, il est mort, partout. Ok. Logique. Donc, on peut percer ici. Et nous, quand on vient là, et il fait lui-même une erreur, et là, il faut prendre le plus d'espace possible ici. Parce que s'il va là, il ne peut pas faire ses deux yeux. Ok. Ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs. En plus, il me restait pas mal de temps. J'aurais dû prendre plus de temps pour réfléchir. Ouais. Et quand il vient là, ouais, déjà ici, il faut lancer un coup, mais il faut que je réagisse direct. Il faut pas que je touche en fait, j'ai le temps. Comme va y avoir Seki, j'ai le temps de jouer ailleurs quoi. Ok.
Le chili est super cher. Je bouffe rarement dehors. Ok. Ok. Alors déjà qu'en France, je bouffe pas souvent dehors. Donc là-bas, ouais, si c'est aussi cher, comme tu dis. R1, ça vit pas. Alors, on va regarder ça. Ah bah. Ah non, là, il le montre. Approuvé, non. Attends. Non, après, pardon. R1. Il vient en P1. Il vient ici. Ah, c'est le 4 idiot. Donc non. Et moi aussi, je disais des trucs bizarres où je pouvais recapturer derrière et c'était forcément vivant. Et en fait, dès qu'il a joué un autre coup, j'étais là, ah bah non, en fait, pas du tout. J'ai halluciné pas mal de choses sur ce truc-là. Ah, t'as pas plus de lib. Je veux les coups optimaux. Analyser, définir la zone d'intérêt. On va regarder ce qui se passe ici. Hop. Donc, il faut jouer là. Protégerai. Tac. Qu'est-ce qu'il faut jouer lui? Faut qu'il retire une liberté extérieure. Et nous, faut forcer. What? Alors là, je comprends pas trop la séquence qui me fait faire. Bref, c'est dur à voir si même lui, il fait des trucs comme ça. Bon, on va regarder, hein, mais bizarre. Mais après, oui, il est... ouais, c'est compliqué pour lui, peut-être. Ou alors, il y a quand même Ko, c'est qui, je sais pas. Je sais pas, je suis un peu paumé, là. Je suis paumé. Bon, on va arrêter ça. Tac. Désolé, là, j'ai pas trop de réponses. Avec le lire, mais c'est... faut qu'elle arrête de réfléchir. On va le faire nous-mêmes. Compléter les libertés. Donc là, il jouera à l'extérieur. On jouera à l'extérieur également. Tac, tac, tac. Tac. Nous, on retire. Ouais, ça a l'air ok, hein. Ça a l'air large ok, donc t'as raison. Hein. Largement. Et c'est pour ça, en fait, qu'il dit... Ouais, quand je joue... Attends. Quand il joue ça... Faut que je vienne là pour faire le plus de liberté possible, encore une fois. C'est ça mon erreur. C'est si je ne fais pas R1, dans ce cas-là, il faudra faire M1 au moins. Mais si je fais ça, au moins, après, je peux tenuki une deux fois. Mais lui, il dit, tu peux tout de suite tenuki, parce que s'il fait... S'il fait ça, tac, t'auras quand même pas mal d'espace. Ok. 11 libertés. Ok, ça roule. Donc on peut tenuki une deux fois, en fait, même plus... Ok. Dans la partie, on se foire complètement. Et... Tac, tac. Ici, j'ai été un peu gourmand. Et sauter, peut-être, c'est plus simple. Ici. Il vient là, il vient ici. Voilà, on fait de la merde tous les deux. Pourquoi? Parce qu'on peut tuer en haut. Là, je peux aller là. Il est obligé de connecter. Ça m'a fait gagner pas mal de liberté. Et ainsi de suite, je vais tuer là, quoi. Ok. Et lui, il doit trouver son deuxième œil, quoi. Ça roule. Plus simple. Là, j'ai gagné pas mal de liberté, on est sûr d'avoir plus, quoi. Mais même de base, il faut aller là tout de suite, et c'est bon, on l'a tué, quoi. Et on gagne de 30. Ok, ok. On s'est compliqué la tâche, hein, quand même, dans cette partie. C'est vachement compliqué la tâche.